Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Aujourd'hui, on va s'occuper de la production de rotor. Ça va être sportif. Ça va être sportif. Il nous faut déjà pour commencer 17 au fourneau. Voilà. Ah, super, en plus un chiffre impair. On adore les chiffres impairs. Les nombres impairs plutôt, pardon. Bon, 17. 1, 2, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, voilà, et puis il faut en mettre derrière. Oh tiens, oh, je vais essayer quelque chose. Oh, je vais faire un truc. Oh, ça peut être pas mal, tiens. Je vais essayer. Regardez, là, si j'alterne comme ça. On est à 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16. Alors ça c'est pas normal par contre. Un, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais c'est bon, je m'en fous 17. Hop. On a mis tout ça, 2, 3, et ça nous permettra en plus de vérifier hein, qu'on a bien tout, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, j'ai tout ce qu'il faut. Lingot de fer. Alors, dans le bon sens. Alors, j'arrive pas. Ouais, j'arrive pas à les configurer, hein. C'est pas une blague. 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6, 7, 8. Neuf. Oula. 10, 11. 12, 13. 14, 15. Et je crois que j'ai pas compté au tout début, donc ça me va. Je crois que j'ai oublié de compter ouais, sur le début. Hop. On place l'électricité. Voilà. Ça. Hop là, comme ça. Et ben on a notre production de... on n'a pas encore. Mais on va avoir notre production de fer avec ça. Alors, c'est là où ça se complique. C'est que là... je vais avoir le reste qui doit aller là. C'est vrai que je peux pas quantifier, ça c'est un peu embêtant, c'est pas bien grave. Tiens, c'est marrant.
tac, tac, tac. Ouais. Et que là, il va falloir envoyer 506. 500 et des poussières. Unité, donc ça va être beaucoup. Là j'ai une consommation de 200 de tout ce qui est là par rapport à ça. Ça, ça me fournira 240 on a dit. Ouais, c'est un peu chiant. C'est deux champs. 240 chaque truc. Là, d'ailleurs on va faire autre chose. On va faire autrement là. C'est que lui. Voilà. Lui en fait il va alimenter là. En fait c'est lui là qui va alimenter. Oula. Voilà. En fait c'est cette foreuse là. Qui va alimenter ici. Voir même. Vous savez quoi là, je serais presque tenté de ramener le fer par là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais ramener mon fer de l'autre côté. Ça m'aidera vachement en fait. À organiser et pas faire traverser tout ça parce que là il faut que ça arrive de l'autre côté, c'est un peu chiant. Donc la foreuse et là je peux pas faire encore de. Mais si je peux faire du MK2, je dois en avoir là des trucs. Oh mais attends, mais j'ai plein de trucs là. Oh, je les avais pas vus ceux-là. Voilà, attends, je peux me sortir mon MK2 là d'un coup. Alors je peux pas sortir mon MK2 parce que. J'ai une seule foreuse portable, donc on va en faire une deuxième. Voilà. Foreuse MK2, foreuse MK2. Très bien. Je vais alimenter là. Et elle, un produit commun 240, ouais, c'est ça. Pour 3 convoyeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, puis là-bas. Petit changement, un peu méchant. Hop, et ce sera au milieu qui partira là. Je suis droit. Là. Hop, ah oui, tiens d'ailleurs, donc on y est. Attends, je l'ai pas mis en MK3. Et là, je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis en MK3, c'est quoi? Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Écoute, tu aurais grignoté un truc, tombé pour lui. Hop, je vais juste ça, voilà. Et voilà. Mais on. Ah oui, non, je disais, c'est bizarre, ça sort tout d'un coup alors que normalement c'est pas censé produire autant. Si. C'est bon. Ok. Aussi. Électricité à la ligne, elle arrive par là-bas donc. Normalement. Si on voit que ça bouge plus, c'est que c'est une erreur. Sinon, c'est que c'est bon. Attendez aussi, je voulais voir. La.
Copper. 180. Oui. 180. On va améliorer. Cadum, production. Voilà. Oh bah zut. Ouais, non, ça c'est chiant. C'est pas grave. Tout ça pour que ça me redonne une foreuse portable après, hein. C'est un délire. C'est un peu bizarre. Là on améliore. Et hop, ah bah tiens, je me retrouve avec une foreuse portable dit. Là, ah, c'est quand même dingue. Ah, c'est pas prévu ça. Ok, voilà. Pas d'alim. Ah oui. Hein? Comment ça? Ah oui, j'ai pas relié là-bas. Ah bah non, mais oui, mais je suis un peu couillon moi des fois aussi quand je viens. C'est bien de dire que là je ralimente par là, mais ah, si je mets pas ça, ça va pas mal, ça va pas très bien fonctionner quoi. Ouais. Mais bon, ça on s'en fout. Voilà, c'est censé réêtre alimenté là. Être réalimenté plutôt. Là ce qui est chiant c'est qu'on peut pas voir, tu me diras. Ça peut paraître aussi un peu normal. Hop. Le retour quand même. Alors, ça n'a pas l'air de tourner des masses tout ça. Si, ouais, mais non, mais là c'est normal. C'est que ça vient de loin. Si ça tourne, ça me va. C'est qu'il y a de l'électricité. Oui. Donc, on disait. Ok, comme ça. Comme ça, là, je vais chercher mon minerai. Qui est pas là, qui est là. Donc, mon minerai de fer. Bon, merci. Bon, voilà. Que je pense que je vais faire passer comme ça là sur le côté un peu là, je sais pas trop comment je vais me débrouiller mais on va se débrouiller en prenant le moins de place possible. Voilà. Et je vais le faire arriver par là hein. On verra plus tard. Donc là j'ai mon arrivée de fer, j'ai la deuxième. Ouais, on va le tirer tout là. Comme ça, là on est bien. Va falloir faire. Va falloir être bon. Je sais pas si ça va passer, on verra. Donc là. Des répartiteurs. Donc là, je peux le mettre comme ça. Il est où l'arrivée? Elle est où? Elle est là. Ok, répartiteur. Est-ce que là, je peux mettre répartiteur et tout répartiteur? Oui, ça marche pas, c'est impeccable. J'ai pas le choix. Et là, j'ai. On verra plus tard. J'ai combien? J'ai 240 et je construis je sais plus quoi qui coûte je sais pas combien. Voilà ma mémoire. Oh, en vrai, ah oui, si je fonds à 30 hein, je crois. Et je peux? Putain, 30. Donc ça fait 8.
Donc je peux alimenter 8 trucs. Donc 1, 2, 3. Quatre, cinq, six, sept, huit. Ok, parfait, j'ai 8. On va les alimenter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon. J'ai mal compté, ce sont des choses qui arrivent. Donc 240. 210. 180. Et 105. Putain, j'ai galéré hein. Cent vingt, 90, 60 et 30. Ok. Et là, voilà, on a toute une rangée déjà d'alimenter. Pfiou. What? Pas bon du tout ça. Attends, mais ah, j'en ai déjà un là. Ah, il y a une couille dans le potage là. Ah bah oui. What? Ah ouais. Ah ouais, non, il y a eu un sacré loupé en fait ici, c'est pour ça. Oh, ça alimente bien là. Ok. Alors, on va faire pareil avec les 8 prochains. Là, bah, forcément, on va faire rentrer ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanana. 3 4 5 6 7 8. Voilà, c'est bon en fait. Tac, on va pas faire la même connerie tout à l'heure là. On va encore pas comprendre pourquoi ça se relie mal. Et il en reste un. Ah ouais, non. Ok. Bah écoute, ce sera plus simple à faire que ce que je pensais au final. Alors, on disait 240, 210, 180, 150, 120, ah, 120 ici, 120, 90, 60, 30, ok. Relié, non, oui. Alors j'ai oublié de relier la zone de prod. Tiens, on va même pas s'embêter, hein, franchement. Hop, ça. Bon, au bout d'un moment, ça va me dire stop. On va quand même pas dépasser la zone. C'est lui. C'est lui. Tac. Ah bah impeccable, une pile devant. Voilà. Et lui. Hop, hop, et... Hop, et hop. On devrait être pas mal là. Par contre j'ai pas de fer qui arrive, ça c'est pas bon ça. C'est quelque part, il y a une couille dans le pâté. L'alimentation est bien faite normalement. On va voir où ça bloque. Ah oui, non. Ah bah si, ça bloque par là.
Tiens. Ah, j'ai déjà eu des bugs du genre. Hein? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, non mais je me suis gouré de chez gouré, mais alors là d'une force. Oula, peut-être aller un peu haut. Et là, oui, c'est bon. Oula. Attends, les minerais. On va baisser parce que au niveau de la tête ça va pas passer ici je pense. Ouais. Bon. Ouais voilà. Bon là ça va envoyer un sur deux. Même pas un sur deux, hein. Bah non, non, parce que là c'est 30. Là c'est 60 donc ça va. Ça va vite se remplir ici en vrai en plus. Donc y a pas trop de soucis à se faire. Ok. Eh ouais, c'est déjà presque rempli. Bon, après les routes. Hein. 240. Là c'est pas du MK2 hein. Je sais pas ce que c'est ça, c'est du MK1. Ouais. Je vais passer en MK2. Putain, saloperie. Chaque fois ça m'oblige à... Oui c'est chiant ça. Alors, on va attendre juste que ça vide bien les minerais là. Voilà. Hop, on l'alimente. Là ça produit 240. Tiens. Allez, je vais lui en fournir là du fer parce que j'en ai une chier. Alors... Spécial, équipement d'atelier, atelier d'équipement plutôt, au choix. Attendez, je profite qu'elle soit faite. J'ai plus de munitions. Et puis tout utilisé quand j'ai fait la. Quand je suis allé relier le four et la fosse de charbon. Tac, une dizaine, voilà. Et ça, donc j'ai oublié de reprendre. J'ai mis c'est comme ça, là. Prod, MK2, ni. Voilà. Quoi? Non. Ah. Pendant un instant, j'étais pas content. Hop. Voilà. Ah bon, on s'est débarrassé de tout le minerai de fer qu'on avait. Et bien, ça fait de la place. Donc là, au niveau de production de fer, on est bien. Là, ce qui va avoir du mal, bah, c'est le, j'allais dire, c'est le charbon. Bon, pour l'instant, non. Bon, on est clairement bien. Donc, ensuite, il me faut 34 constructeurs. Ça fait chier 34 constructeurs. On aurait donné 33, j'aurais fait 3 fois 11. 34 c'est chiant. 34 c'est 17 x 2. Mais 17 en largeur, ça fait beaucoup là. C'est gourmand là. Oui, attends, j'ai même pas fait toute la récup de... Oh. Non, c'est bon. Ah. Faut voir comment j'ai géré en dessous. Je sais plus. Je sais pas si ça va être bon en fait. C'est dommage parce que je sais que là tout ça là ça fonctionne là. Ça envoie. D'ailleurs, je pense que ah. Si on regarde l'alimentation. On est tranquille. Ah, ils ont peut-être fini. Ah bah oui, ils ont fini. On va regarder.
Oui, c'est bon, c'est bien fait. Ouais, charbon, non, encore. Charbon, n'importe quoi. Il y en a encore quelques-unes qui tournent. Ah, mais ça doit être plus là-bas alors. C'est le poison. En tout cas, j'espère. Pour tout ce qui est rotor stator. Ouais, c'est. Voilà. Ah. Voilà. 34 constructeurs. Ok. Oui, bon, ouais. Bon, là, on va prendre. Ah, mais attendez, on a de la place là. On a un pouilla plus de place là si je fais sur cette ligne. Ouais. Donc, on va essayer de se mettre à peu près sur la même, c'est celle-là. Donc, une. On verra comment. On va faire donc 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, là c'est proche là. J'ai quoi là? Ah. 9, 9, 9 fois. 9 x 4, 36. Je suis à 34. Oh, le dernier, on aura 2. Bon, allez, ça passe. On va dire que. On va commencer par faire la première rangée déjà. C'est ça, hein. C'est ça qu'il me faut, je crois. 2, 3, 4, 5, 6. 8 9 9 et attendez je regarde parce que je vais produire je vais produire 506. Bah j'ai la moitié qui part à un endroit, la moitié qui part dans l'autre. Ouais, c'est un peu chiant. Il m'en faut combien pour faire des vis? Ouais, 19. Et ça, 15. Bon. Ils sont 13, 14, 15. Ça, c'est un peu chiant. En gros. Bon, 9, 9. 9 et 9, 18. Ah, fait chier, 18. 18 et. Est-ce que je peux pousser ça là? Ouais, je me débrouillerai là, je ferai un petit écart. Là. Hop! Ce qui fait que ça là. 2, 3, 4, 5. Ok, et tout ça, les deux rangées là, ça va partir en, en production de vis, j'allais dire. Ouais, mais non, c'est peut-être pas la meilleure idée ça. C'est pas forcément la meilleure idée, autant les mettre derrière. Donc 9, 9, 18. Ouais, j'irai me servir, hein. Ça me fait un peu chier, mais. 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai manqué de câble? Bonne question. J'en ai 27.
1 ou 34. Putain. Tout ça pour de la prod de tige. Hein. Et j'en ai encore 30 à faire pour de la prod de vis presque. Hein. C'est... Hop, on fait pareil sur cette ligne là. Oh bah dis, ça fait deux fois d'affilée ça. Ah oui, mais je vais clairement manquer de vis. Hein. De câble. Heureusement, j'en ai pris. J'en ai dans les coffres, il me semble. Et sinon, grâce à mes super hyper tubes. À mes hyper tubes, ouais, c'est un peu chiant de dire super hyper tubes. À mes hyper tubes bienvenus. On va dire. Ce n'est pas si loin. Ouh. Regarde en bas, je vois des trucs. Ah, il y a du câble. Tac. Il y en a d'autres ici. Non. Ah, il est bloqué lui. Ah oui, il est bloqué. Oh non, il peut partir par là-bas. Ok, il est grand en plus, hein, donc peut-être un peu grand pour pas pour se barrer. Mais comme quoi ça a pas que des avantages d'être grand. Hein. C'est un gars au moteur qui vous le dit. Le jour où j'ai compris, le jour où j'ai pris connaissance de ma taille. À raconter, c'est génial. C'est que. En fait j'avais l'habitude, c'était j'étais mauve, hein. J'étais chez mes parents et. Donc pour récupérer le bol de céréales le matin. Le bol qui me servirait à mettre les céréales intérieures le matin. J'avais l'habitude d'ouvrir la porte qui était un peu en hauteur, quoi. La porte de placard. Et ce qui était bien, bah, c'est que je passais sous la porte de placard. Sauf qu'un matin, bah, j'ai ouvert la porte comme d'hab, comme, avec toute la puissance de la jeunesse qui vient de se réveiller et qui est à fond, quoi. Et BAM! Hey, une porte de placard dans la tronche. Ah bah dis ça. Alors ça rendort mais ça réveille aussi un peu. Ah bah ce jour-là j'ai fait comment ça? Qu'est-ce que... Il y a un paramètre qui est pas normal là. Ça marchait bien il y a pas si longtemps. Ok. Ok, là ça clignote bien tout ça. On clignote bien. Ça clignote bien. Et... Ça clignote bien, allez hop. Et voilà comment on prend conscience des fois qu'on a grandi. Enfin moi comment j'ai pris conscience que je grandissais. Et qu'au final bah j'ai plutôt grand le gars. Il hein. A bien mangé de la soupe. Alors. Tout ça c'est la sortie. Ce sont des sorties je veux dire. Ah oui. Et une fonderie. Et une sortie de là égale à deux là-bas. Là, c'est pratique ça par contre. Et le fait de les avoir assez entassés, ah c'est pas si mal. Je vais peut-être être tranquille au niveau des décalages. Bon, on va voir. Si je fais comme ça ou je fais comme ça. Non là c'est très bien comme ça en vrai. J'ai l'impression que ça va être un peu proche mais en vrai. Ça c'est très bien. Ça évite d'avoir un gros truc long dégueulasse là. J'aime pas trop. Au caoutchouc là qui fait jointure. Hein. Voilà.
pas les yeux en face des trous, moi, mon gars. On va se réveiller un coup. Hein. On va aller se coucher, au choix. Mais bon. Passer. D'accord. C'est pas trop le bon sens, ça. Non, c'est pas la bonne direction, plutôt. Il claque les portes comme des... tarés, c'est bizarre. Bref. C'est les gens qui ne savent pas fermer des portes. Il y a des personnes, mais beaucoup, hein. Beaucoup, attention. Et bon, ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui ne savent pas fermer des portes. Ils savent que les claquer. Tu sais, la clenche. Ah oui, alors. Ça aussi, ça débat. La poignée. La porte, la clenche. Ça dépend d'où vous êtes. Ils ne savent pas la tourner. C'est... Alors, ils savent la tourner pour ouvrir, quoique. Et encore, pas plus. Je vais pas de certaines portes. Mais pour fermer, il y en a. Non, non. Et oui, d'ailleurs. Là, j'ai dit clenche de porte. Il y en a plein pour vous. Une clenche. C'est quoi? Et une poignée. Mais une poignée, ça s'empoigne. Une clenche, ça s'enclenche. Et oui. Bah non, c'est régional, hein. C'est en fonction des régions. Soit votre clenche, enfin soit votre porte, vous l'enclenchez, soit vous la poignez, enfin. Enfin soit c'est une clenche de porte, soit c'est une poignée de porte. Hein, en fait. Ça c'est intéressant aussi. Alors, comment que je me débrouille là? Putain, ça va être un peu chiant par contre. Parce que là j'en ai 3, là j'en ai 4. C'est 30 ou c'est 15 en entrée là d'un coup, j'ai le doute. 15 me paraîtrait... Non, ça doit être 30. Ah non, c'est 15 mais je produis 30, ok. Mais c'est bizarre quand même. Je prends du 60 là que j'alimente tout ça avec un 60. Bah non. Non. Bon. Eh bah, le fait d'avoir fait un truc là sur 3, ça me casse les bonbons. Merde. Ah. Bon. On va se venger. Voilà. Oh, fais chier un peu. Il faudrait que je trouve le centre de tout ça, mais... 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ah putain, le centre il est là. Ah bah c'est ça le centre, ok. Ici on a le centre. Allez, commence dans tout ce bordel là. Ok, non, ça c'est de la sortie. Et alim, 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 alim. Ah mais ça infecte. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais attends. Quoi? Oh putain. Le centre, c'est ces deux-là. Non, c'est celui-là plus ces deux-là. Donc en fait, on en a 6. Et de quoi on en a alimenté 6. Et il y en a 8. Et merde. Et merde. Bon. Y a pas le choix. Ça. Ah, ça va alimenter là-bas. Hein. Ça va alimenter là-bas. Alors, tac. Pourquoi je ferais un répartiteur ici? Non, à moins que... À moins que je regroupe et que je fasse 4 à la fois et que là je fasse tac 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 tac, c'est pas mal. Ouais, alors dans ma tête ça a du sens, vous en faites pas. Donc ce que... Donc, alors ce que je vais faire. C'est ça, là, j'ai un répartiteur qui va là. Vous en faites pas, ça va avoir du sens. Un répartiteur qui va là. Un répartiteur qui va là. Ok. Là. Répartiteur, n'importe quoi. C'est pas des répartiteurs, ça, mais c'est pas grave. Des convoyeurs, j'ai verticaux qui vont là. Hop. Tout quoi dans le bon sens, c'est dommage. Oh le petit enfoiré. Oui, c'est mal placé. Oh le petit con là.
Coupeur, bah non, répartiteur. Ah, est-ce que je me serais pas go? Rép. Par contre, ça fait deux fois que j'ai mis un. J'ai appuyé deux fois sur mon répartiteur et ça, c'est. Un répartiteur. Ok, je sais pas pourquoi. Mais c'est... Donc. Ça, droit. Merci. Ça, hop. Merci. Ça, hop. Ouais, donc là, on en a 4. Et là, je vais mettre 6. Alors, on va se calmer aussi peut-être sur la proximité, faut pas déconner. Voilà, hop. Là. Voilà, ça, c'est très bien. Et là. Voilà. Et tout ça. D'économiser un peu de place, mais surtout de matériaux, enfin des deux. C'est que là. Oh mon vieil. Oh merde. J'ai pas prévu ça. Comme ça alors. Faire comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, toute cette longueur là. Un convoyeur, elle en fait pas deux quoi. Parce que là, tout ça, ça fait deux convoyeurs. Enfin bref, tout ça c'est alimenté et là, bah, j'ai plus qu'à répéter ça quoi. Et en plus, tiens, c'est bien d'avoir mis comme ça au final. Là, j'aurais pas le choix que de l'envoyer par là, donc c'est pas plus con. Ensuite. Allô, bah pas terrible ça. Est-ce que je les placerai pas tous d'un coup d'ailleurs? Bon, c'est un coup à faire une connerie ça. Ça c'est un coup à faire une connerie ça, mais bon. Yes. Ouais, je crois qu'il était un... Tac. Hop, tac, tac, répartiteur. Oh bah. Ah bah oui. Bah super, merci. Bah oui, mais non, pas du tout, c'est clair. Pourquoi j'ai plus le droit au... Non, bah c'est sympa. Non mais c'est cool, merci. C'était comme ça, je crois. Donc il empiète un peu sur lui. Okay. J'ai eu le droit pour le premier, j'ai pas le droit pour le reste. C'est... Oh mon vieil. On va le faire un jour. Là, il est là. Ah. Mais le souci, c'est que je suis pas sûr que ça fonctionne bien comme ça. Donc on va se calmer un peu là, on va calmer nos ardeurs. Ça a vachement décalé en un.
Dommage. J'étais pas loin. Oh bon, oh je suis bon du premier coup là-dessus, bien. Hop. Hop. Oui. Donc là, on en voit là, là. 'est galère. Et heureusement que je passe en dessous, hein, pas par au-dessus. J'imagine même pas la difficulté. Sinon. Tac. Ah, dommage. Voilà. Toi, tu vas là. Comme ça. Voilà. Pour l'instant, ça suit une certaine logique, j'aime bien. Pour l'instant. La production que ça doit tourner. Je dois raquer en électricité. Hein. Ta facture d'EF. Va être salée, va être sucrée, va être acide et amère en même temps. Hein. Je peux vous dire que là, elle va être pas de sucré, mais elle va être tout le bordel. Hein. Grouper. Ça. Non. Ça. Non. On a merdé. Comme ça. Oui. Yes. Allez. Un deuxième pari, mon gars. Pas se laisser avoir par la profondeur. Trompeur, non. La partiteur. Allez. Oh là là, les deux d'affilée, magnifique, les deux d'affilée pour placer le premier coup. Hop, et ça. Magnifique. J'ai réussi à faire des repères. Est-ce que je vais réussir une deuxième fois? Et... ah, c'est pas un répartiteur, ça, je reconnais. J'ai tellement concentré à le placer comme il faut que j'ai pas placé le bon. Ça, c'est quoi? Ben, un groupeur aussi, ça, c'est ballot. Effectivement, ils étaient bien placés, mais pas bon endroit. Enfin, bien la prochaine fois. Hein.
Ok. Groupeur. Là, si. Là, c'est bien groupeur. Hop. Là, et... là, je sais pas si c'est là ou si c'est là. Je crois que c'est là. Ça décale, j'ai l'impression, un tout petit peu à chaque tour. Enfin, à chaque tour, à chaque le truc, je suis pas sûr. C'est pas grave. Hop, tac, tac. Non, répartiteur. Tac, tac. Oui, on dirait. Voilà. Oh, bah dis. Tac. Hop là. Là, je n'ai plus beaucoup là. J'ai plus beaucoup de rangées à faire là. Ah, c'est ballot là. Ah oui, c'est très ballot même. Tac. Hop. Ah bah y'a plus de plaques. Oh merde, attends, j'en avais pris pas mal des plaques déjà. Hein. En plus j'en avais pris, je sais pas si... je sais pas s'il m'en reste. Merde. Et s'il m'en reste pas en bas. Oh, c'est bon, regardez toutes les plaques qu'on a. Ah non, on a fait le plein là. Je suis bien content d'avoir retrouvé toutes ces plaques un peu perdues là. Alors, j'en étais où? Toi, tu vas là, oui. Toi, tu vas là, oui. Et... hein? Ah... oui, c'est vrai que je produis un peu plus que ce que je consomme. J'en produis un de plus, j'en produis pas 50 de plus non plus. J'en ai un, là qui va m'en alimenter deux. C'est bon. Il m'en alimente deux, le dernier m'en alimente un. Non, 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 c'est très bon, c'est très bon, c'est impeccable. Oh, c'est ça. Non mais t'as besoin de faire ça là. Attends, pardon. Donc ça marche en plus hein. Pourquoi? Les trucs c'est un peu beaucoup bancal hein, quand même. Bref, répartiteur ici. Ok, on va faire dans le sens. Et ici, voilà mes convoyeurs. Voilà. Tout ce que je produis. Impeccable. Donc là j'ai toute ma production de tiges. Wesh. Ah, oula. Un peu plus de 500 tiges. Ça tombe pas, ça doit être complet ça. Bah oui, c'est complet, oui. Wouhou ! Ça c'est... ah ouais déjà ? Ah oui, c'est vrai que j'ai laissé tourner un peu quand même. J'ai laissé tourner un certain temps. Bon, la sauvegarde elle prend du temps là. La sauvegarde elle a pris cher. Ouais, bon là ça commence à produire. C'est 6 ? Ah oui, mais c'est ce que j'ai mis en dernier. Ah par contre...
à l'arrêt. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Ouais, ça doit être lui qui... Ah oui, non. Ok. Maintenant... Passer au... constructeur... constructeur de... de vis. Qui va me faire sortir 1125 vis par minute. Putain. 1125 vis, les gars. Oh non. Oh, je crois que j'ai osé faire ça. Je crois que j'ai osé ne pas prendre en compte les sorties de... Ah ouais, non mais là, ça au pire je peux le faire sortir en hauteur, c'est pas très grave. Dans les yeux aujourd'hui, c'est dingue. Ensuite, ah, peut-être mettre les convoyeurs quand même. Eh, rien, plaque de fer, je sais pas si j'en avoir assez. Hein. Ce que j'utilise sur les convoyeurs verticaux, là, ça picote. Hein. Maintenant, bah, va falloir que j'en prenne. J'ai dit combien ? 15 ? 15 qui partent à un endroit et le reste à l'autre. 15 et 18 ? Non, c'est ça ? 15 et 19. Oui, c'est ça. Oh putain. Oh, l'idée à la con. Oh, ils sont là, mais. Après, en théorie, là, j'ai ça. Non, mais... En théorie, je peux faire ça, mais. Oh, je suis trop proche en fait. Admettons, là je fais ça. Là j'ai ça qui est là. Le chien. Là ça repart là. Oh, c'est pas bon. Ouais. Et là on va serrer encore plus. Ça là c'est carrément dedans. Là. Ça passe mais. En vrai. En vrai de vrai. C'est pas si dégueu.
C'est pas dégueu du tout même. Ok. Bon bah ça passera comme ça. Je vais juste vérifier, ça peut bien sortir. Hein. Ok, impec. Bon bah on va faire comme ça. Ici même principe. Oui bah oui j'ai pas le choix parce que là j'en ai là. Ouais, attendez. attendez, c'est pas encore. Ah oui. Ah oui. Ça va, un jour t'arrives à te faire demi-tour ou. Putain. Tu me dis si je te fais chier, hein. C'est bon, mon vieil. Ouais, c'est un dinguerie. Ok. On finit par ça. Oh, le tour à la con là. Oh, ça fonctionne hein. Mais alors. Bah écoute, on va faire comme ça. Bon. Alors. Un ici. Et. Un autre. Ah, ça va, ça, c'est facile à se souvenir. Ils sont vraiment sur les. Côté là du convoyeur. Oui, là j'en ai besoin aussi. Et là, là j'en ai pas plus besoin que ça, en vrai, j'ai de la place. Ok. Là on a ça. Que j'ai visé là. Hop. On va mettre un paquet là. Un, deux, trois, ça nous fait sortir 15. Je crois les vis c'est 15 à la fois. Je confirme, ça me fait chier. Un, deux, trois. 3, 7, 11, 14. Ouais, je vais faire ça. 3. Je vais prendre les 3 qui sont là. Je vais les regrouper. Je vais prendre les 4 et les 4 et les 4. Et tout ça, ça sera envoyé dans la production de vis. On sera plus parlant en vous montrant. Ça. 2. 3 en même temps. Ah. Et ça va nous faire bien. Non, je suis persuadé d'en avoir oublié.
fameux groupeur là. C'est pas normal, lui il groupe pas dans le bon sens lui. Ce qui fait que là. Ah putain attends, j'en oublie un. J'en oublie. Eh oui, je me disais bien que j'en oublie un. C'était trop beau. Ok là hein. Chiant à placer en plus là. Ah oui, voilà, il est encore plus chiant à placer vu que j'ai même pas mis les convoyeurs. Voilà. Et voilà. Ok, donc j'ai 10 âmes. Pas le choix. Ah. Ah ouais, j'ai vraiment pas le choix. Bon, bah écoute, ça restera comme ça. C'est pas ouf. C'est comme ça, c'est la vie. Grouper, bon, hop, on est bon là. J'ai pas été bon. Alors, on va être excité par contre. Ça, on va faire ça à peu près proprement. Voilà. Donc là, j'ai un groupeur. Là, j'ai. Le résultat de. Oh non, il manque du béton. Deux groupeurs. Oh putain, par contre, le béton là. Le béton. Attendez, on va vérifier un truc. Ah, ça fait déjà 1h08 que je suis dessus. Ah ouais, d'accord. Bon. Bon bah, on va s'arrêter là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. Hein? Ça fait déjà un long épisode, j'avais pas vu du tout. Et j'allais me ressourcer. Aglou aglou parce que à soif. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous propose de. Ça reste là. Oh merde. De me retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Voilà qui est mieux. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, c'était Thiob.